Alors, je déclare la séance du 20 juin 2022 ouverte. Il va y avoir une modification à l'ordre du jour au point 56. Le titre devrait se lire « Projet de règlement amendant le règlement 454-23 visant à modifier la limite de vitesse permise sur le chemin des Lys et sur la rue Castor ». Si vous permettez, Mme Joly, il va y avoir aussi l'ajout du point 27A, dont le titre est. Donnez-moi une seconde. Achat de caniveau, Patrick Morin, réparation du chemin du lac Et nous allons faire un retrait aussi, si vous le permettez, parce qu'il nous manque des informations. Donc, le point 44 va être retiré. Exact. Alors, bienvenue à la séance. Alors, ça va me prendre un proposant. Richard. Et un second départ. Annie. Est-ce que c'est résolu à l'unanimité? Oui. Merci. Le point 4, approbation des procès-verbaux des séances précédentes. Excusez-moi, madame. Oui. Je n'avais pas compris, là, pour la période, au point 2. Période de questions portant sur l'ordre du jour. Oui. Est-ce que vous avez des questions? Oui, s'il vous plaît. Oui. C'est les membres du conseil. C'est les membres du conseil. Ah, OK. C'est pour moi, là. C'est pas nous autres. La période de questions est à la fin. À la fin de tout. Oui. 61. Oui. Les élus, est-ce que vous aviez d'autres choses à ajouter sur l'ordre du jour? Avez-vous des questions? Non. Okay. Parfait. Alors, l'ordre du jour va être modifié. Le point 4, approbation des procès-verbaux des séances précédentes. Il est demandé au conseil d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 16 mai 2022, de la tenue de registre du 30 mai 2022 et des ouvertures de soumission des 2, 3 et 16 juin 2022, tel que rédigé. Proposé par? Charles. Secondé par? Annie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 5. Nomination de Mme Annie Bastien, conseillère responsable des questions familiales et aînées auprès de l'organisme Espace Muni. Il est demandé au conseil que Mme Annie Bastien, conseillère, soit nommée à titre de responsable des questions familiales et aînées auprès de l'organisme Espace Muni. Ça me prend un proposeur. Sylvain Lévesque. Second départ. Fabien Bourbilly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, oui. Résolu à l'unanimité. Le point 6, affectation d'une partie de l'excédent de fonctionnement cumulé non affecté au 31 décembre 2021. D'un montant de 25 $, que cette affectation soit affectée au fonds général de la municipalité. 25 000 $. Oui, 25 $. 25. Il manque juste 3 zéros. Désolé. 25 000 $ soit affecté au fonds général de la municipalité au poste d'affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté. Proposé par. Secondé par? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 7. Fin de contrat CLR, service de répartition téléphonique du 911 et prise d'appel municipaux d'urgence. Il est demandé au conseil que la municipalité mette fin au contrat du fournisseur CLR, autant pour le service de répartition téléphonique 911 que pour la prise d'appel municipaux d'urgence. Cette décision d'un commun accord entre les parties entrera en vigueur le 1er octobre 2022. Ça me prend un proposeur. Valérie Léveillé. Second départ. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 9. Entente CITAN. 8. 8, je m'excuse. Entente avec COCA, C-A-U-C-A, service de répartition téléphonique 911. Il est demandé au conseil que la municipalité utilise les services de la firme COCA pour le traitement des appels d'urgence 911, ainsi que pour le support aux tablettes véhiculaires installées dans les camions incendies. Les frais d'acquisition de ces services sont de 3 560 plus taxes si applicables, et les frais annuels sont de 1 499,49. Ce contrat est d'une durée de 3 ans à compter du 1er octobre 2022. Proposé par? Valérie Léveillé. Secondé par? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 9. Entendre CITAN, une division de CAUCA, COCA,
prise d'appels municipaux d'urgence et logiciels alerte et notification de masse. Il est demandé au conseil que la municipalité utilise les services de la firme CITAM pour la prise d'appels municipaux d'urgence et le logiciel d'alerte et de notification de masse. Les frais d'acquisition de ces services sont de 1 092,50 plus taxes applicables et les frais annuels sont de 4 195,41. Ce contrat est d'une durée de 3 ans à compter du 1er octobre 2022. Alors, ça me prend le proposeur. Marie-Lie. Secondé par? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 10. Entente de service autorité 911 Bell Canada. Considérant que la municipalité utilisera les services de COCA à titre de fournisseur de services des centres d'urgence 911, considérant que la municipalité de Chersey désire que Bell Canada fasse remise de la taxe imposée sur les services téléphoniques aux municipalités locales aux fins de financement des centres d'urgence 911 directement à COCA. Pour ces motifs, il est demandé que la municipalité de Chersey demande à l'autorité 911 Bell Canada de verser dès le 1er octobre 2022 pour les services primaires et secondaires à COCA, dont l'adresse est située à Québec, toutes les remises de la taxe imposée qui lui sont dues. Alors, proposé par? Valérie Léveillé. Secondé par? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 11, autorisation de signature pour le MTQ, Convention d'aide financière, programme d'aide à la voirie locale, volet entretien année 2022. Considérant l'aide financière de 440 521 obtenue dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, pour ce motif, il est demandé au conseil que la mairesse et la directrice générale et greffière trésorière soient autorisées à signer la convention d'aide financière du ministère des Transports. Proposé par? Sylvain Lévesque. Secondé par? Joyeux. Est-ce que tout le monde est d'accord? Je présume que oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 12. Demande de prolongation du ministère Santé et Services sociaux, mise à jour de la politique MADA. MADA étant la municipalité amie des aînés. Considérant l'adoption de la résolution numéro 2020-371 à la séance ordinaire du Conseil d'octobre 2020, considérant la convention d'aide financière a été signée le 21 janvier 2021, considérant qu'en raison des mesures sanitaires restrictives imposées par la pandémie au cours de l'année 2021, les rencontres de consultation auprès des personnes aînées étaient interdites en présentiel et très difficiles à réaliser en virtuel. Pour ces motifs, il est demandé au conseil que la municipalité de Chersey dépose auprès du ministère Santé et Services sociaux, secrétariat des aînés, une demande de prolongation pour la mise à jour de sa politique municipalité amie des aînés, et ce jusqu'au 30 novembre 2023. Proposé par? Oui. Secondé par? Valérie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 13, concours floral, Chersey en fleurs, service de l'urbanisme et de l'environnement. Considérant que la municipalité de Chersey est membre des Fleurons du Québec et que cet organisme nous incite fortement à réaliser des actions afin de promouvoir l'embellissement des propriétés sur notre territoire, considérant la recommandation du comité d'embellissement d'organiser une activité afin de souligner les efforts de nos citoyens à embellir notre municipalité, pour ces motifs, il est demandé au conseil que la municipalité organise la tenue du concours Chersey en fleurs qui se déroulera durant le mois de juillet 2022 et qu'un montant total de 600 $ soit accordé sous forme de prix divers. Proposé par? Oui. Et secondé par? Valérie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 14. Approbation du statut d'employé permanent, M. Patrick Rancourt, Service des travaux publics. Il est demandé au conseil que M. Patrick Rancourt obtienne son statut d'employé régulier au poste de chauffeur opérateur manœuvre classe 2 pour le service des travaux publics en date du 20 juin 2022. Proposé par? Secondé par? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 15. Embauche de M. Jules Fouché, employé à l'essai, poste d'horticulteur, manœuvre au service des travaux publics. Il est demandé au conseil que la municipalité procède à l'embauche de M. Jules Fouché au poste d'horticulteur, manœuvre
pour le service des travaux publics avec le statut d'employé à l'essai. La date d'entrée en fonction de cet employé à l'essai est le 20 juin 2022. Comme en profondeur, Annie. Second état. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 16. En embauche, c'est pas grave. Embauche de M. Pierre Geoffroy, technicien informatique. Il est demandé au conseil que suite à la recommandation du directeur, il est demandé au conseil de procéder à l'embauche de M. Pierre Geoffroy, technicien des services informatiques, à raison de 3 jours par semaine, selon les termes et conditions stipulés au contrat à intervenir entre les parties. Alors, proposé par? Charles Dieu. Et secondé par? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 17, embauche de 4 pompiers à temps partiel. Il est demandé au conseil que suite à la recommandation du directeur du service incendie et sécurité publique, la municipalité procède à l'embauche de M. Fabien Fage, Thomas Boudret, Maxime Baumgarten et Gabriel Junior Valois à titre de pompier à temps partiel sur appel. La date d'entrée en fonction est le 21 juin 2022. Proposé par Valérie. Proposé par Charles. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 18. Demande d'arrêt routier le centre communautaire de la Waro pour le 25 et 26 juin 2022. Il est demandé au conseil de consentir à la requête de l'organisme centre communautaire de la Waro à l'effet d'autoriser un arrêt routier les 25 et 26 juin 2022 entre 8h et 16h à l'intersection du chemin de l'église de la rue principale dans le cadre de leur levée de fonds annuelle. L'organisme s'engage à respecter les règles de sécurité. Proposé par Annie. Et secondé par Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à lui. Résolu à la majorité. Je peux prendre un deux secondes, Mme Lévesque. Donc, on m'entend? Oui. Donc, ma réponse est un peu correcte et surprenante parce que plusieurs, vous savez que le centre communautaire, je tiens énormément. J'aimerais pouvoir juste passer mon message que j'aimerais pouvoir avoir des activités pour les enfants. Je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup. Je suis un peu triste aussi que lors du dernier souper, les enfants n'étaient pas la bienvenue. Donc, c'est pour la raison pour laquelle je suis pour le centre communautaire. Je veux de l'aide pour eux, mais il faudrait vraiment qu'il y ait des activités pour nos jeunes et nos familles. Ça serait vraiment important. On passe au point 19. Assemblée annuelle de la Fédération québécoise des municipalités. Résolution déposée. Considérant que la municipalité de Chelsea possède plusieurs barrages municipaux et que ceux-ci nécessitent des réparations urgentes totalisant plusieurs millions de dollars, pour ce motif, il est demandé au Conseil que la résolution suivante soit déposée pour discussion lors de l'Assemblée annuelle des membres de la Fédération québécoise des municipalités, se tiendra dans le cadre du congrès annuel de la FQM du 22 au 24 septembre 2022. Donc, la question soit la suivante. À la lueur de l'analyse du PAFMAN, Programme d'aide financière à la mise aux normes des barrages municipaux, le Conseil de la municipalité de Chelsea demande au gouvernement de tenir compte de ses besoins. Est-ce que vous voulez que je lise tous les... En fait, je peux peut-être poursuivre avec la lecture. Bien, vous savez qu'on a 58 barrages ici à Chelsea, dont 15 municipaux. Et il y a eu des résolutions qui ont été passées aussi à la MRC, provenant de la MRC, mais on veut appuyer cette résolution-là parce que malheureusement, la façon que ça fonctionne, le ministère ne nous donne pas la certitude d'avoir des subventions, il faut absolument faire des travaux et par la suite, on sait quel montant, quel pourcentage le gouvernement va nous donner en subvention. Alors, c'est la raison pour laquelle on fait cette résolution-là pour sensibiliser davantage le gouvernement à cet effet-là parce que c'est important et c'est, ça touche aussi tous les citoyens dans le fond. Alors, voilà. Alors, ça va nous prendre un proposeur. Allez-y. Secondé par Valérie. Parfait. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité.
Le point 20, résolution d'appui aux maires et mairesse pour les routes dangereuses, campagne nationale concernant la gestion du MDQ. Considérant que la municipalité de Chelsea se préoccupe de la sécurité et de la qualité de vie des citoyens et des responsables, comme gouvernement de proximité, la municipalité peut témoigner du fait que les enjeux de sécurité routière sont une préoccupation importante de la population. Considérant que le ministère du Transport devrait être un partenaire incontournable pour réaliser cet objectif, pour ces motifs, il est demandé au Conseil que la municipalité de Chelsea appuie dans leur démarche les co-signataires de la lettre ouverte afin de faire des représentations auprès du ministère des Transports pour que celui-ci procède aux différents travaux afin de rendre les routes sécuritaires et que copie de la présente résolution soit transmise au ministère des Transports du Québec, à la MRC de Matawinie, ainsi qu'à tous les maires instigateurs de cette démarche. Qui propose? Annie. Qui se vend? Valérie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 21. Aide financière, politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, les maisons familiales par amour, situées sur la route 335. Considérant l'adoption de la politique de reconnaissance et soutien aux organismes, considérant la demande déposée par l'organisme les maisons familiales par amour incorporées, considérant que cet organisme vient en aide aux plus démunis par la distribution de paniers alimentaires, pour ces motifs, il est demandé au Conseil que la municipalité accorde une aide financière d'une valeur de 2 000 afin de soutenir la réalisation de la mission de cet organisme. Qui propose? Oui. Et qui seconde? Annie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. 22. Résolution d'appui des maisons familiales par amour. Considérant que dans le cadre de sa mission, l'organisme les maisons familiales par amour, distribuent des paniers alimentaires aux familles dans le besoin. Pour ce motif, il est demandé que le Conseil appuie la demande d'aide financière qui sera déposée auprès de la ministre Giraud pour venir en aide à l'organisme des maisons familiales par amour dans la distribution de leurs paniers alimentaires auprès de la population de Chelsea. Je vous propose. Secondé par Annie. Résolu. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Point 23. Achat de lance, l'arsenal CMP Mali, service d'incendie et sécurité publique. Il est demandé au Conseil que la municipalité procède à l'achat de 5 lances pour le service incendie et sécurité publique du fournisseur l'arsenal, du bas fonctionnaire, au coût de 4 745. Qui propose? Michel. Et qui seconde? Valérie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 24. Achat de stabilisateurs pour véhicules accidentés, MES, Code 4, Fire and Rescue, Service incendie et sécurité publique. Il est demandé au Conseil que la municipalité procède à l'achat d'un ensemble de stabilisateurs pour véhicules accidentés pour le service incendie et sécurité publique du fournisseur MES, Code 4, Fire and Rescue, du bas fonctionnaire, conforme, au coût de 9 469,89. Qui propose? Michel. Secondé par? Valérie. Alors, tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 25, achat d'une laveuse et soreuse commerciale, l'arsenal CMP Maillé, service d'incendie et sécurité publique. Les demandes au Conseil que la municipalité procède à l'achat d'une laveuse et soreuse commerciale pour le service incendie et sécurité publique du fournisseur l'arsenal, du bas soumissionnaire conforme au coût de 11 413. Qui propose? Michel. Secondé par? Valérie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 26. Achat d'un tracteur à gazon et pour faire équipement au service des travaux publics. Il est demandé au Conseil que la municipalité procède à l'achat d'un tracteur à gazon pour le service des travaux publics du fournisseur des trois frères équipements, plus bas soumissionnaire, au coût de 12 673,35. Qui propose? Et secondé par? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 C'est bon. Je m'entraînais, il y a reconnaître le travail qui a été réalisé par vos services pour évaluer différentes options, pour voir si c'est une possibilité d'avoir un véhicule qui a une autre façon du camionneur conventionnel. Le modèle électrique, on l'évalue.
Dans le micro, j'ai l'impression que ça fonctionne pas m'approcher comme ça. Vous comme ça? Oui. Donc, ça fait on fait l'analyse d'un facteur à gazon qui est électrique, il y a des modèles commerciaux qui existent sur le marché, qui sont plus chers, mais il y a un retour sur l'investissement, plus de baissant qu'on connaît en fait. Puis la décision qui est prise, c'est d'aller avec le modèle à essence, notamment parce qu'il y a un équipement qui n'était pas disponible pour ramasser le gazon. Dans le cas de notre station de vibration, qui va être ramassé. Fait, je reconnais que c'est un peu de nous. Merci. Le point 27. Achat de mobilier, Amster, le papetier, membre du conseil municipal. Les demander au conseil de procéder à l'achat de mobilier pour les membres du conseil municipal lors des séances, pour nous sort Amster plus le papetier, tel que décrit à la soumission en date du 8 juin 2022 au coût de 3799 et en 10 $, incluant la livraison et l'installation. Alors, qui propose? Michel. Et qui seconde? Annie. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. En passant, je vais faire un petit aparté. Vous voyez les tables de chaque côté. On a déjà eu, je ne dirais pas la joie, mais on a déjà passé à Infoman là-dessus parce qu'on avait ri de notre municipalité parce qu'on avait des bureaux qui avaient l'air un peu bizarres. Alors, voilà. Voilà, je voulais juste préciser. Richard est allé, t'as tapé sur lui. Oui, parce que les tables sont après tombées. Voilà. Alors, le 27A, achat de caniveau. Patrick Morin pour la réparation du chemin du lac Brûlé. Alors, c'était l'ajout, ça, à l'ordre du jour. Il est demandé que le conseil autorise une dépense d'un montant de 12 611,10 $ pour l'achat d'un caniveau du fournisseur Patrick Morin sur le chemin, pour une réparation sur le chemin du lac Brûlé. Alors, ça me prend un proposeur. Oui. Et secondé par? Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 28. Autorisation de dépenses suite aux orages violents du 21 mai 2022. Il est demandé au conseil d'autoriser les dépenses effectuées et à venir pour un montant maximal de 80 000 $ relié au service démontage, déchiquetage, marquage et ramassage d'arbres suite aux orages violents survenus le 21 mai 2022. Cette somme est disponible au fonds général de la municipalité et fera l'objet d'une compensation financière dans le cadre du programme général d'indemnisation et d'aide financière du ministère de la Sécurité publique. Alors, qui propose? Jonathan, et qui seconde? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Je veux juste mentionner que ce montant-là, si on parle de 80 000 $, évidemment, il y a plein d'autres frais municipaux qui ont engagé là-dedans. C'est ajouté ça aux 115 millions de réclamations d'assurance au Québec liées à cet événement-là, la campagne de Christ et Réjo, qu'on a donné, qui est encore une fois les services qui ont travaillé à la suite là-dessus. Les tempêtes destructrices-là sont appelées à de plus en plus fréquentes, de plus en plus sévères, parce que vous avez une. C'est la raison pour laquelle mon engagement politique s'est vraiment engagé sur les réponses à la crise climatique. C'est pour ça que les municipalités et les gouvernements doivent intervenir à la hauteur de leur capacité. Donc, on a 70 millions pour le Québec, 115 millions d'assurance, en plus de l'autre au Canada. Ça coûte vraiment plus cher à l'inaction climatique que là. Le point 29, autorisation de dépenses en Témiscamingue, service aux sinistrés au Cambout-en-Train lors de la fameuse tempête. Il est demandé au conseil d'entériner la dépense d'un montant maximal de 3 088,26 $ pour l'achat de divers aliments par le Cambout-en-Train dans le cadre des services d'aide aux personnes sinistrées suite aux orages violents survenus le 21 mai. Alors, qui propose? Annie. Qui seconde? Valérie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Alors, résolu à l'unanimité. Est-ce que je peux me permettre, Mme Denis? Allez-y. Je voudrais vraiment dire que pour avoir été concentrée, en fait. Oui, mais je pense que. Non. OK, bonjour, moi, je vous connais. Oui. Oui, c'est ça. Je voudrais vraiment dire, merci vraiment, quand enfin, je suis allée à tous les soirs, même de famille dimanche, il y avait personne pour le souper. Le repas était très bon, puis. Les gens qui travaillaient là-bas, je pense que c'est un beau support, donc vraiment merci.
le point 30. Moi, ce que vous permettez, Mme Chollet, j'ai envie de dire, quand j'ai lu la résolution, que cette dépense aussi va faire partie du programme d'indemnisation qu'on va recevoir du ministère de la Sécurité. Merci de l'ajout. Oui, effectivement, on va avoir sûrement des sous qui vont venir suite à cet événement-là. C'est tout à fait normal que le gouvernement nous appuie. Parce que ce fut un événement majeur dans notre municipalité. On s'est fait dire même par les gens du Gros-Québec que c'était pire que le verglas au niveau des dégâts. Alors, merci de l'ajout, Mme Ducard. Le point 30, autorisation de dépenses en périnée, plomberie SPEC 360, installation de compteurs d'eau au garage municipal et à la caserne. Il est demandé au conseil d'entériner la dépense d'un montant maximal de 6 875,79 pour les services de l'entreprise Plomberie SPEC 360 Incorporée, dans le cadre de l'installation des compteurs d'eau au garage municipal et à la caserne d'incendie. Qui propose? À nous. Secondé par? Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 31, octroi de contrat Bouchard-Léveillé Construction, ordonnance d'exécution sur le 13005, route 335. À la suite de demandes d'offres de services, il est demandé au conseil d'octroyer à la compagnie Bouchard-Léveillé Construction Incorporée, qui passe initialement conforme, le contrat pour la réalisation de travaux de désencombrement du terrain sise au 13 335 route, non, 13 005 route 335, incluant la main-d'œuvre, disposition des débris et camions pour le transport au coût de 12 647,24. Qui propose? Sylvain Lévesque. Et qui seconde? Michel Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Si vous permettez, Mme la mairesse, pour informer les citoyens, c'est le garage bleu à l'accès 5 à vos lacs. C'est assez fort, M. Lorrain, vous avez compris? Oui, oui, c'est bon. Merveilleux. Mme Picard a quelque chose à ajouter. Oui, si vous permettez. Cette dépense-là, va être ajouté au compte de taxes foncières à titre de créance prioritaire en faveur de l'Université. Voilà. Le point 32, octroi de contrat Stellem, réparation des bandes fontaines au village. Il est demandé au conseil d'octroyer à l'entreprise Stellem Incorporée, plus bas solutionnaire conforme, le contrat pour procéder à la réparation des bandes fontaines situées dans le village. Selon les termes et conditions décrits à la soumission en date 2022, au coût de 2 500. Qui propose? Sylvain Lévesque. Secondé par? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 33, acceptation d'offres de services espaces munis, services d'accompagnement pour la mise à jour de la politique MADA, municipalité amie des amis. Il est demandé au conseil d'accepter l'offre de service de l'organisme Espace Muni pour les services d'accompagnement dans le cadre de la mise à jour de la politique municipalité Amis des Invités, incluant le plan d'action, et de préférer à cette fin un montant de 16 500 $ selon les termes et conditions contenues à l'offre de service. Cette somme est disponible via l'aide financière obtenue par le programme de soutien à la démarche municipalité Amis des Invités, par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Qui propose? À nous. Secondé par? Valérie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 34, octroi de contrat Alliance Ressources humaines, mandat d'évaluation des fonctions et implantation d'un futur système de rémunération. Il est demandé au conseil que la municipalité mandate la firme Alliance Ressources humaines afin de procéder à une évaluation des postes des employés municipaux et à l'implantation d'un futur système de rémunération selon les termes et conditions décrits à l'offre de service, au total de 125 $ pour un total approximatif de 200 $. Qui propose? Michel. Secondé par? Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 35, octroi de contrat garage Péven, appel d'offre public 2022-006, achat de 2 camions style pick-up 4x4, pour le service des travaux publics, 2021 ou plus récent, pour le service des travaux publics. À la suite de l'ouverture de soumission du 3 juin 2022 dans le cadre de l'appel d'offres public 2022-006, il est demandé au conseil de procéder à l'achat de 2 camions 4x4 style pick-up année 2021 ou plus récent pour le service des travaux publics du fournisseur garage PIVEN Incorporé
qui baisse une missionnaire conforme au coût de 147 512. Qui propose? Et qui seconde? C'est le maire évêque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 36, offre contrat des équipements Twin Laval, appel d'offres sur invitation 2022-009, achat d'une berne 4 saisons avec porte de comté et installation sur un camion 0 pour le service des travaux publics. À la suite de l'ouverture de soumission du 3 juin 2022 dans le cadre d'appel d'offres sur invitation 2022-009, il est demandé au conseil de procéder à l'achat d'une berne 4 saisons avec porte de comté et installation sur un camion 0 pour le service des travaux publics. Du fournisseur les équipements Twin Laval incorporés, plus bas sur missionnaire conforme, au coût de 69 559,87. Alors, qui propose? Oui. Qui seconde? Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 36. Oh. 37. C'est la suite. Le point 37, acceptation de notre service entériné, rappel, expert conseil, inventaire des plantes aquatiques ou la bombe. Il est demandé au conseil d'entériner l'offre de service de la firme rappel, expert conseil en environnement et en gestion de l'eau, afin de procéder à un inventaire sommaire des plantes aquatiques au lac Bombe, dans le cadre du projet de réfection du barrage, et de défrayer à cette fin un montant de 2 400 $ selon les termes et conditions contenues à l'offre de service. Cette dépense est autorisée en vertu du règlement de taxation 582-2020 et fera l'objet d'un règlement d'entente. Qui propose? Oui. Qui seconde? Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 38, offre de contrat Nordico rinçage unidirectionnel du réseau d'aqueduc municipal. Il demande au conseil d'octroyer à la firme Nordico, qui va soumissionnaire conforme, le contrat afin de procéder aux travaux de rinçage unidirectionnel du réseau d'aqueduc municipal, selon les termes et conditions décrits à l'offre de service en date du 5 mai 2022, au coût de 1 596. Qui propose? Annie. Secondé par? Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu, Annie. Le point 39. Autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 7, parallèle 54, expert conseil, appel d'offre 2021-003, service professionnel, appel d'offre, estimation des coûts et surveillance des travaux, remplacement d'un ponceau d'envergure. Donc, il est demandé au conseil d'autoriser le paiement à la firme parallèle 54 expert conseil d'un montant de 237,72 $ relativement au service professionnel en lien avec les travaux de remplacement d'un ponceau d'envergure. Qui propose? Sylvain Lévesque. Et qui seconde? Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 40, autorisation de paiement des comptes progressifs. Parallèle 54, expert conseil, appel d'offres 2022-002. Service professionnel, appel d'offres, estimation des coûts et surveillance des travaux, la réfection des tronçons du chemin de l'église et du 7e lac. Il est demandé au conseil d'autoriser le paiement à la firme parallèle 54, expert conseil, d'un montant de 13 564,18 $ relativement au service professionnel en lien avec la réfection de tronçons du chemin de l'église et du chemin du 7e lac. Qui propose? Sylvain Lévesque. Et qui seconde? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Point 41. On veut vérifier dans la salle s'il y a des périodes de questions concernant les dérogations mineures. Alors, il y a personne qui a des questions sur les dérogations mineures. Alors, je dois considérer qu'on poursuit. Alors, le point 42, demande de dérogation mineure sur le lot 4 935 611. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a reçu une demande de dérogation mineure pour le lot 4 935 611 concernant la possibilité de permettre un empiètement dans la marge avant du bâtiment principal pour qu'elle soit de 5,45 mètres plutôt que de 7,5 mètres, considérant que l'espace constructible n'est pas suffisant pour implanter un bâtiment municipal respectant les normes minimales d'implantation, considérant qu'un empiètement est rendu impossible sur la bande de protection riveraine et, par conséquent, la seule possibilité est de le faire sur la marche avant du bâtiment projeté, considérant que le bâtiment projeté ne portera pas atteinte à la jouissance des propriétaires riverains,
considérant que l'endettement ne se fera pas au détriment de la part de protection riveraine. Pour ces motifs, il est demandé au conseil, de suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour le lot 4 935 611 concernant la possibilité de permettre un empiètement dans la marge avant de 5,45 mètres plutôt que de 7,5 mètres, le tout conditionnel à l'obtention d'un permis du service de l'urbanisme et de l'environnement concernant la construction d'un bâtiment principal. Alors, qui propose? C'est bien, et qui seconde? Vous allez vous réveiller? Est-ce que tout le monde est d'accord avec vous? Moi, j'aurais, excusez-moi, là, on pouvait poser les questions, j'ai passé le tour. Là. Mais je me demande juste, quand on demande, là, tu sais, vous demandez des dérogations mineures, OK, pour certains lots, mais personne ici, on ne les connaît pas, ces lots-là. On parle dans le vide. Il y a des avis publics qui sont donnés, madame. Pardon? Auparavant, là, juste avant que ça soit réglé, là, oui. Il y a des avis publics qui sont donnés. Qu'on trouve où? Madame Picard? En vertu du règlement, c'est affiché sur le site Internet et sur les barrières de l'hôtel de ville. C'est le district 5, madame. Le district 5? Oui. Est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 43. Demande de PIIA, secteur village, 750 chemin d'église, le CPE, la chenille. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a reçu une demande d'autorisation pour le dépôt d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale du CPE, la chenille, situé au 750 rue d'église, concernant la possibilité de permettre l'agrandissement du bâtiment principal, considérant que le PIIA relatif à cet agrandissement respecte dans l'ensemble les critères relatifs au PIIA, secteur village, considérant que l'agrandissement reprend intégralement le caractère architectural du bâtiment principal, considérant que l'agrandissement s'harmonise avec le cadre bâti du voisinage, pour ces motifs, il est demandé au conseil que, suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil municipal accepte la demande d'autorisation au plan d'implantation et d'intégration architecturale sur le lot 3 901 224, situé au 750 rue d'Église, concernant la possibilité de permettre l'agrandissement du bâtiment principal. Qui propose? Sylvain Lévesque. Qui seconde? Jean-Guy. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Bien sûr, non? Vous me permettez, madame la mairesse, on va vous permettre d'avoir 26 places. 23 places supplémentaires pour nos enfants, c'est un besoin de notre région. Alors, on est bien heureux d'appuyer ce projet-là. En fait, sur les 23 places, il va y avoir une dizaine de 10 places pour les coupons, pour les tout-petits, les bébés, finalement. Et pour effectivement, c'est un besoin. On a des jeunes familles qui s'établissent ici. Alors, je pense que c'est de bon augure d'avoir une garderie qui va répondre aux besoins de notre population. Le point 44 a été retiré de l'ordre du jour. Le point 45, adoption du second projet de règlement 619-2021 remplaçant le règlement de zonage. Est-ce que vous me permettez, Mme Joly, que je fasse simultanément les points 45, 46 et 47 qui sont tous les seconds projets de règlement? Oui, effectivement. Donc, considérant que les seconds projets de règlement 619-2021 remplaçant le règlement de zonage, le second projet de règlement 620-2021 2021, remplaçant le règlement de lotissement, et le second projet de règlement 627-2021 sur les usages conditionnels qui sont déposés à la séance tenante sont les mêmes que les règlements 619-2021, 620-2021 et le 627-2021 qui ont été adoptés à la séance du conseil municipal en date du 20 février 2022. Considérant que les règlements adoptés le 20 février 2022 sont le résultat des modifications apportées au règlement 619-2021, 620-2021 et 627-2021, suivant l'analyse et les recommandations du service de l'aménagement de la municipalité régionale de comté de Matabouli, considérant que les seconds projets de règlement 619-2021, 620-2021 et 627-2021, adoptés dans le cadre de la concordance,
doivent ainsi être soumis à l'approbation de l'ensemble des personnes à voter afin de pouvoir recevoir le certificat de conformité de la MRC de Matawinie. Pour ces motifs, il est demandé que le Conseil adopte les seconds projets de règlement 619-2021 remplaçant le règlement de zonage, 620-2021 remplaçant le règlement de lotissement, 627-2021 remplaçant le règlement sur les usages conditionnels, découlant du processus de concordance du plan d'urbanisme. Ça prend un proposeur pour ces points, les points que Mme Picard vient de lire. Alors, un proposeur et secondé par Annie. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord avec ces propositions-là? Oui. En plus, on n'a pas vraiment le choix, hein? Mais je ne suis pas vraiment d'accord, mais on n'a pas le choix. Oui. Alors, résolu à l'unanimité. Le point 49, règlement 642, 48, ah oui, je m'excuse. Le point règlement 641-2022, règlement amendant le règlement 420-2011, constituant le comité consultatif d'urbanisme, allègement du processus administratif au niveau de la durée du mandat des membres. Considérant l'existence d'un comité consultatif d'urbanisme à la municipalité de Churchill, considérant que ce comité est au cœur du développement économique, social et environnemental de la municipalité de Churchill, considérant qu'il est souhaitable d'alléger le processus administratif au niveau de la durée du mandat des membres, considérant que les motions et projets de règlement ont été déposés à la séance du 16 mai 2022, pour ces motifs, il est demandé que le Conseil adopte le règlement 641-2022 intitulé « Règlement amendant le règlement 420-2011, constituant le comité consultatif d'urbanisme, allègement du processus administratif au niveau de la durée du mandat des membres. » Qui propose? Valérie Éveillé. Qui seconde? Est-ce que tout le monde est d'accord avec? Oui. Merci. Résolu à l'unanimité. Point 49. Règlement 642-2022. Règlement décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 85 000 pour l'achat d'une benne 4 saisons avec porte de côté et installation sur un camion de pour les services des travaux publics. Considérant que la municipalité doit procéder à l'achat d'une benne 4 saisons, considérant l'estimation des coûts du 21 avril 2022 produite en annexe du présent règlement, considérant qu'afin de réaliser cet achat, il est nécessaire d'emprunter la somme n'excédant pas 85 000 somme remboursable sur une période de 10 ans. Considérant que la promotion et le projet de règlement ont dûment été faits à la séance ordinaire du Conseil du 16 mai 2022, pour ces motifs, il est demandé que le Conseil adopte le règlement 642-2022, intitulé Règlement décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 85 000 pour l'achat d'une benne 4 saisons, avec porte de côté et installation sur un camion tiro pour les services des travaux publics. Qui propose? Sylvain Lévesque. Et qui seconde? Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 50, règlement 643-2022. Règlement décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 136 900 pour l'achat de deux camions style pick-up 4x4 année 2021 au plus récent pour le service de travaux publics. Donc, la municipalité doit procéder à l'achat de deux camions style pick-up 4x4. L'estimation des coûts a été déposée par le directeur des travaux publics. Afin de réaliser ces achats, il est nécessaire d'emprunter la somme n'excédant pas 136 900, somme remboursable sur une période de 5 ans, considérant que la promotion et le projet de règlement ont été faits à la séance ordinaire du 16 mai 2022. Pour ces motifs, il est demandé que le Conseil adopte le règlement 643-2022 intitulé Règlement décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 136 900 $ pour l'achat de deux camions. C'est le pick-up 4x4, année 2021, ou plus récent, pour le service du travail public. Alors, qui propose? Sylvain Lévesque. Oh! Les deux. Bon, qui propose, c'est officiellement, qui propose? Jean-Louis. Et qui seconde? Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Voilà. 51. Avis de motion, règlement décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 67 600 pour l'achat d'un camion style pick-up 4x4-2021 ou plus récent pour le service des travaux publics. Je dépose
à l'effet qu'il soit adopté à une séance subséquente du Conseil un règlement décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 67 600 $ pour l'achat d'un camion pick-up 4x4 année 2021 ou plus récente pour le service des travaux publics. OK. C'est un avis de motion. Le point 52, projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 67 600 pour l'achat d'un camion style pick-up 4x4 2021 ou plus récent pour le service des travaux publics. Considérant que la municipalité doit procéder à l'achat d'un camion pick-up 4x4 pour le service des travaux publics. Considérant l'estimation des coûts en date du 27 mai 2022, préparé par le directeur de service des travaux publics, considérant qu'afin de réaliser ces achats, il est nécessaire d'emprunter la somme n'excédant pas 67 600 $ somme remboursable sur une période de 10 ans, considérant qu'avis de motion du projet, considérant qu'avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance ordinaire du 20 juin 2022. Pour ces motifs, je propose de procéder au dépôt tel que présenté du projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 67 600 $ pour l'achat d'un camion pick-up 4x4 2021 ou plus récent pour le service des travaux publics. Alors, qui propose? Ah, là, c'est monsieur qui a proposé. Et qui seconde? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 53, avis de motion, règlement décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 175 000 pour l'achat et l'installation d'une génératrice de secours pour les situations d'urgence. Un avis de motion. L'avis de motion est donné en conformité avec l'article 445 du Code municipal du Québec, à l'effet qu'il soit adopté à une séance subséquente du Conseil un règlement décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 175 000 $ pour l'achat et l'installation d'une génératrice de secours pour des situations d'urgence. Au fin d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une somme n'excédant pas 175 000 sur une période de 10 ans pour pouvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt. Il est par le présent règlement imposé. Il sera prélevé annuellement durant la terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité. Une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Alors, le point 54, projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 175 000 pour l'achat et l'installation d'une génératrice de secours pour les situations d'urgence. Nous considérons que la municipalité doit procéder à l'achat de cette et à l'installation d'une génératrice de secours pour des situations d'urgence, considérant l'estimation des coûts en date du 12 mai 2021 préparé par le directeur des services des travaux publics produits à l'annexe A du présent règlement, considérant afin de réaliser cet achat, il est nécessaire d'emprunter la somme n'excédant pas 175 000 sans remboursable sur une période de 10 ans, considérant l'avis de motion du présent règlement et du maire est donné à la séance ordinaire du 20 juin 2022. Pour ce motif, le président Thibault propose de procéder au dépôt tel qu'il est présent du projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt ne sera pas 175 000 pour l'achat et l'installation de la prise de secours pour des situations d'urgence. Copie du projet de règlement est disponible à l'adresse Internet de la municipalité cette année. Alors, j'en viens proposer maintenant qui se donne. Sylvain. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cet achat? Oui. Résolu à l'unanimité. Vous me permettez, Madame la mairesse, ça va nous permettre de faire fonctionner l'hôtel de ville et l'église en costume majeur comme on s'est produit. Et puis, c'est ça. C'est pas une taxe spéciale non plus. C'est marqué taxe spéciale. Les gens pensent que c'est une taxe supplémentaire qu'on va vous imposer. Et non, c'est pris à même le fonds général. Pour ça, je vous le dis. Maintenant, le point 55, avis de motion, règlement visant à baisser la limite de vitesse sur le chemin d'église entre le chemin Michel et l'avenue Miron. Merci.
vous me permettez, Mme Joly, le titre du point 55, ça va être animation, projet de règlement amendant règlement 454-2013, qui visant à modifier la limite de vitesse permise sur le chemin de l'île. Considérant que. L'avis de motion est donné en conformité avec l'article 445 du Code municipal du Québec, à l'effet qu'il soit proposé à une séance subséquente du Conseil un règlement visant à baisser la limite de vitesse sur le chemin public entre le chemin Michel et l'avenue Miron. Parfait. Point 56, projet de règlement visant à baisser la limite de vitesse sur le chemin d'église entre le chemin Michel et l'avenue Miron. Considérant que le paragraphe 4 du premier alinéa de l'article 626 du Code de la sécurité routière permet à la municipalité de fixer par règlement la vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers sur son territoire. Considérant qu'en vertu de l'article 328, deuxième paragraphe du Code de la sécurité routière, la vitesse permise sur les chemins de surface en béton, de ciment, en béton bitumineux et haute surface de 20 ans est de 90 km/h. Considérant le volume de circulation sur le chemin d'église et que beaucoup d'automobiles et de véhicules lourds y circulent à une vitesse excessive, pouvant mettre en péril la sécurité de la population. Considérant que le chemin d'église est très sinueux, et par le fait même hasardeux. Considérant que la vitesse actuelle de 70 km/h applicable sur le tronçon concerné devrait être abaissée à 50 km/h. Considérant qu'à l'émotion du présent règlement a dûment été donnée en la séance ordinaire du 20 juin 2022. Alors, je propose de procéder au dépôt tel que présenté du projet de règlement amendant le règlement 454-2013 visant à modifier la limite de vitesse permise sur le chemin d'église et sur l'avenue du Castor. Copie en projet de règlement est disponible à l'adresse Internet de la municipalité et auprès du service du greffier. Article 1, article 2, ce qui est important, c'est l'article 2, l'alinéa de l'article 2 du règlement 454-2013 est modifié pour se lire ainsi. La vitesse permise sur le chemin de l'église à partir de l'avenue de la Relève jusqu'à l'intersection du chemin de la Grande Vallée est fixée à 70 km/h, sauf en deux chemins Michel et l'avenue Miron. La vitesse permise sur le tronçon est fixée à 50 km/h. Donc, qui propose? C'est Richard. Ouais. Et qui seconde? Annie. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Résolu, Annie. À l'unanimité. Mentionner, Mme Arrest, que ça prend 90 jours à 120 jours que ce soit applicable. Alors, pas parce qu'on a voté quelque chose que c'est applicable demain. Parce que les normes à respecter auprès du ministère des Transports pour avoir l'autorisation. Oui. C'est pas de la mauvaise volonté, on doit suivre les règles. Voilà. Maintenant, le point 57, adoption des comptes fournisseurs. Il est demandé au Conseil d'autoriser les déboursés effectués pour le mois de mai 2022 au montant de 898 945,74 tel que déposé par la directrice générale et greffière territoriale dont la liste est incluse en annexe du procès-verbal. Le Conseil accepte aussi la liste des comptes à payer au 31 mai 2022 au montant de 417 588,59 et en autorise le paiement. Qui propose? Secondé par. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 58, dépôt de l'état des activités financières. Je passe la parole à Mme Paquette. Donc, je dépose au Conseil municipal l'état des activités financières pour la période du 1er au 31 mai 2022. Merci. Le point 59, rectification budgétaire. Il est demandé au Conseil d'accepter les rectifications budgétaires totalisant la somme de 37 700, telle que montrée au tableau du 13 juin 2022, préparée par Mme Marie-Hélène Proulx, directrice du service des finances et incluse en annexe du procès d'affaires. Proposé par Valérie Lévillier. Secondé par Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Bienvenue à l'unanimité. Alors, la mairesse
conseil, il y a un mois, j'avais expliqué que au mois de mars, on avait instauré des comités de travail pour faire avancer davantage les dossiers. Alors, je vais juste vous faire un petit résumé de ce qui s'est fait déjà depuis le mois de mars. Le 22 mars, il y a eu un comité sur notre fameux dossier des eaux usées avec les ingénieurs. Et on avait demandé qu'ils nous proposent trois solutions. Et la date limite pour nous donner des rapports est la fin juillet. Donc, ça s'en vient assez rapidement. Alors, ce comité-là était formé de M. Lévesque, M. Étu, M. Théoret, le directeur des travaux publics, Mme Parquette et moi-même. Donc, c'est du sérieux. Puis, on peut faire avancer le dossier autant que se peut avec les délais qu'on nous donne. Ensuite, au mois d'avril, il y a eu une réunion pour justement le service des travaux publics. Sur ces comités étaient M. Jean-Guy Thibault, M. Lévesque, le directeur de la voirie, nous-mêmes. Ils ont étudié la flotte des véhicules lourds parce que c'est important de vérifier et de s'assurer que à chaque année, on fait quand même des achats et on renouvelle la flotte pour ne pas être obligé d'arriver, disons, dans 3, 4, 5 ans, être obligé d'acheter tous les véhicules au même moment. Alors, ce travail, je veux remercier tout le monde qui a travaillé sur ces comités-là. Ensuite, il y a eu une réunion sur l'environnement, les matières résiduelles, avec Jonathan, Théoret, Valérie, Mme Paquette, en fait, pour vérifier et s'assurer que le dossier suit son cours, parce que c'est un dossier quand même très important pour l'environnement. On a eu un autre comité sur les barrages avec Richard Étu, Jean-Guy et Valérie. Deux demandes nous avaient été suggérées par le lac Jasper et le lac Sol. Alors, c'est des barrages privés et ce fut une rencontre très quand même enrichissante, mais on est encore à étudier ce dossier-là. Pour le dossier du lac Jaune, on est en appel de devis pour des services professionnels pour le lac Jaune. Alors, ça suit son cours, évidemment, puis je remercie encore le travail qui a été fait là-dessus, parce que c'est quand même un dossier très important pour la municipalité. Il y a eu le comité embellissement, Mme Annie Bastien avec le service des loisirs, travailler fort pour qu'on ait un village qui soit plus attrayant, l'urbaniste également. Voilà. Alors, ça travaillait fort pour que notre municipalité devienne plus attrayante. Il y a eu aussi le comité de la patrouille pour régler le problème de nuisance. Et le comité patrouille était donné avec Valérie, Jonathan et M. Étu. Alors, ce comité-là travaillait fort également. On est en écriture du devis d'appel d'offres de service parce que la patrouille va encadrer, gérer les problèmes de nuisance, non seulement pour ce qui a fait les résidences de tourisme, mais également pour tous les citoyens. Parce que parfois, ça peut arriver qu'on a des voisins qui sont un peu dérangeants. Donc, ça va s'adresser à toute la population. Alors, on va attendre de recevoir les appels d'offres pour statuer là-dessus. Alors, c'était pour vous donner un petit topo. Puis, j'ai aussi un scoop que j'ai donné à la réunion du district de Mme Bastien samedi matin. Il y avait des rumeurs qui circulaient qu'on aurait enfin au CLSC du 100 rendez-vous. Et ça n'avançait pas vraiment. Je n'avais pas eu d'autres informations. Alors, j'ai communiqué directement avec le directeur général adjoint, M. Philippe Étier, du CIL de la Naudière. Finalement, on a eu une réunion virtuelle team et je me suis vraiment tout de suite, je suis allée droit au but et j'ai demandé si on aurait finalement enfin du 100 rendez-vous. Vous savez que le 100 rendez-vous existait il y a plusieurs années, mais on avait perdu les médecins et on a travaillé dans l'ancien mandat à aller chercher des médecins additionnels, ce qui a été fait. Puis maintenant, ils m'ont assuré qu'ils sont allés visiter les lieux. Ils ont regardé les améliorations nécessaires à l'intérieur au bureau. Ça ne sera pas agrandi, mais ils vont réaménager le bureau. Et finalement, ils vont aussi se joindre au GMF de Saint-Calix. Donc, il va toujours avoir une rotation de médecins avec aussi le GMF de Saint-Donat. Alors, ce qu'on me dit, sous toute réserve, M.
M. Etier me mentionne que finalement, on aurait le 100 rendez-vous opérationnel novembre ou décembre prochain. Alors, c'était les nouvelles que j'avais à vous partager. Je peux y ajouter 100 rendez-vous, c'est bon. Non, mais c'est vrai. Ça va faire plaisir à une ancienne conseillère qui était ici dans le dernier mandat. Donc, le 1er juillet arrive bientôt. Le 25 juin, c'est la journée mondiale contre l'abandon des animaux de compagnie. On le sait, lorsqu'on est un âge, on a souvent tendance à laisser nos chiens, nos chats, là, pour ne pas les transporter dans les volets apprenants. Donc, pour moi, c'est une journée qui est importante de faire attention lors des déménagements. Et je voudrais surtout vous souhaiter une bonne Saint-Jean-Baptiste à tous. Fêtez, amusez-vous. On a les grains pingouins, Donc, venez à l'initiative, allez nous amuser. Puis, c'était mon mot de la fin. Ah, oh, je pensais que j'étais venue, Michel. Non, je ne l'ai pas. OK. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut passer à la période de questions maintenant, si vous avez des questions? Et vous identifiez, s'il vous plaît, et donnez vos commentaires. Bonjour, Serge Lorrain au Lac Clair de Jersey. Oui, monsieur. Premièrement, c'est moi qui ai le problème avec les micros. Et voilà. Au point 37, vous avez parlé d'une firme conseil pour identifier les plantes aquatiques. Nous, on le fait chez nous avec la CARA, ça n'a rien coûté. Ça a juste pris un propriétaire qui était intéressé de s'impliquer, puis on avait la formation. Il est allé chercher la formation, puis ça s'est fait gratuitement. Sauf qu'en municipal, on a des règles à respecter. Non, mais le lacon, on peut le faire. Oui. Non. En tout cas, c'est juste un point comme ça. Il faut que ça soit vraiment le ministère à ses exigences. Ah, OK, OK. Mais en fait, c'est un outil spécial. C'est vraiment OK, OK, c'était pas une demande du lacon. Okay. Est-ce que le règlement est adopté finalement, le règlement sur les résidences touristiques, tout ça, non? Non. OK. On va commencer par le plan. En fait, oui. Il y a eu une conformité qui nous a été donnée par la MRC sur le plan de concordance avec tous les règlements. Sauf qu'il y a une étape supplémentaire auquel on n'a pas le choix de faire face. Il faut faire un avis public. Par la suite, ça va être adopté s'il n'y a pas de signature de citoyens. Ça va être mis en regard, c'est ça. OK. On va commencer par les fleurs. Merci au conseil et à l'administration. Le propriétaire qui avait fait une plainte concernant le Airbnb chez nous, M. Massaoui l'a contacté, mais pour lui dire qu'il ne va pas rien faire parce que le fameux règlement n'est pas adopté. Mm-hmm. Est-ce que les plaintes qu'on a fait antérieurement vont être considérées ou on met tout ça à la poubelle puis on commence à zéro, mais que ça soit adopté? Écoutez, là, je ne peux pas répondre à cette question-là. Pourquoi je vérifie? Je vais vérifier avec l'urbaniste. D'après moi, si ça a déjà été documenté, il y a peut-être des bonnes chances que ça soit pris en considération. Parce que là, ça veut dire que c'est le plus fort. Les Airbnb font ce qu'ils veulent. On a eu le droit à notre premier feu d'artifice en fin de semaine. Mm-hmm. Pourtant, c'est clair dans le règlement. Il n'est pas adopté encore. Mais comment se fait-il? Il est adopté, mais il n'est pas en vigueur. Comment se fait-il maintenant que le droit acquis, lui, a l'air d'être applicable dans un règlement qui n'est pas adopté. Pourquoi il serait applicable le droit acquis? Le droit acquis est applicable ou non applicable. Ce que je comprends de votre question, c'est quelqu'un qui avait l'autorisation du CIDQ. D'opérer une résidence de tourisme. Sûr dans le temps, on n'avait pas de règlement. C'est encore vrai aujourd'hui. Lui, il peut encore continuer à opérer. Même quand le règlement va être mis en vigueur, on ne peut pas retirer. C'est comme dans n'importe quel règlement. Ce n'est pas juste dans ce règlement-là. Ce n'est pas au désir ou pas du conseil. C'est la loi qui fait ça. Une personne qui avait l'autorisation de
que ce soit d'opérer un commerce ou quoi que ce soit, même si on met une nouvelle réglementation, elle n'est jamais rétroactive. Elle est à partir de ce moment-là. Donc, les gens qui avaient le droit avant vont toujours avoir le droit. La seule chose qui n'aurait pas le droit, c'est, exemple, si on met des points où c'est facile de modifier. Exemple, si je dis que vous n'avez pas le droit au feu d'artifice, bien, à partir du moment où la réglementation est en vigueur, il n'y a pas de droit d'acquis sur un feu d'artifice. Il n'y a personne qui a le droit. Que tu avais ton permis ou pas, tu n'auras pas le droit. Par contre, si dans le règlement c'est marqué que le spa doit être à 30 mètres du voisin et que la personne qui l'opère présentement ne respecte pas cette loi-là, je ne peux pas l'obliger à bouger son spa. Ben, s'il serait Bien, en fait, M. Lauré, lorsque la patrouille va être mise en force, notre règlement est très sévère. C'est-à-dire qu'après deux infractions rapportées, ils vont perdre son permis. Mais à la troisième incidence, ils perdent son permis. Mais c'est pour ça que là, actuellement, on a des plaintes, ça ne donne rien, ça vaut-il la peine de déposer ou pas? C'est une question quand même. Sincèrement, ça dépend du genre de plainte que vous déposez. Si vous déposez une plainte pour des feux d'artifice, vous oubliez ça là, dans trois mois ou dans. Là, ça veut dire que cet été, on va se taper en compte toutes les aberrations qu'on s'est tapées l'été passé. Il rentre dans le lac avec n'importe quelle embarcation. Non, parce que ça s'en vient, il va être mis en vigueur le règlement. Et la patrouille, ils ont travaillé sur la patrouille, je viens de détailler tous les comités et le comité patrouille, on est en préparation de l'avis d'appel d'offre de service. Donc, on va les régler, les cas de nuisance, M. Laurent. C'est sûr qu'on va les régler. Ce que je trouve de déplorable, c'est qu'il y avait eu un avis de motion justement pour empêcher que le règlement sur les résidences touristiques soit distribué comme ça, que les permis soient distribués. Il y a trois conseillers qui ont voté contre et le maire avait voté contre. Là, j'ai l'impression qu'on est comme si Chelsea octroie des permis de braconnage. Ils font des affaires illégales, mais on les regarde passer et on ne peut pas rien faire. Je trouve ça aberrant en tabarouette, là. La qualité de vie des gens, l'environnement, nos lacs sont en danger parce qu'on ne peut pas rien faire. Bien, les règlements vont être, quand ils vont être mis en vigueur, M. Lauré, je vous répète, on a le règlement le plus sévère de la maternité des enfants. J'aimerais ça redéposer les plaintes qu'on avait faites l'automne dernier parce que vu que c'était juste avant les élections, je voudrais juste être sûr que ça n'a pas tombé dans les oubliettes. Puis j'ai rajouté le feu d'artifice pour vous dire. On va faire des copies. Merci. Bonne soirée. Je pense que c'est important de mentionner dans la mairesse qu'il n'y a pas eu de permis de donner depuis septembre 2021. Et puis les droits acquis là, sont, si les gens le perdent, ils devront se conformer au nouveau règlement. Fait que ceux qui vont perdre leurs droits acquis sont des délinquants, il y en a plusieurs qui ne pourront pas le ravoir. Donc ils devront à ce moment-là se conformer au nouveau règlement. Distance, pas. Merci. Important. Bonjour, Caroline Blasbeau. Bonjour. Je voulais vous remercier pour nous avoir donné la permission pour notre réseau routier. Mais je voudrais faire une précision. Quand on est rentré en poste au mois de mars, c'était dans un lamentable état, le centre communautaire. Fait qu'on sait sûr qu'on veut faire plein d'activités, mais on est toujours pris pour repayer les dettes. Des dettes encore la semaine passée, 1400$ de 2019, la compagnie Molson, qu'il faut payer. Fait qu'on n'a pas le choix de faire des activités plus payantes pour pouvoir rembourser les dettes qui n'ont pas été payées par les anciens qui étaient là avant. Fait que je prends la peine de le dire parce que je sais qu'on est enregistré, puis c'est pas parce qu'on ne veut pas faire d'activités pour les enfants ou etc. Là. C'est juste qu'on est toujours pris avec des dettes, puis. On a quand même réussi à tout payer les taxes avec les activités qu'on a faites. On est quand même quasiment à flot. Là. Ils viennent de nous rebondir une facture de deux semaines qu'on va devoir payer. C'est toujours comme ça. C'est toujours quoi qui rebondit. Mais des activités pour les enfants, qu'il y a tout, ils vont en avoir bien plein. Merci de la précision. Puis j'imagine que la réalité va vous aider dans ce sens-là. Oui. Après ça, on aimerait ça faire d'autres activités pour rénover le parc, d'autres affaires. Mais on est toujours pris d'indettes, puis d'indettes qui nous rebondissent dessus. Fait qu'on ne peut pas faire de miracle.
Puis je voulais aussi en profiter pour remercier Sylvain, qui prend le temps de venir nous aider quand c'est le temps de faire nos activités. C'est lui qui a fait le souper pour notre souper spectacle de trois semaines, un mois, là, puis c'était excellent. Puis ils vont en avoir d'autres prochainement, puis tout le monde est bienvenu. Merci beaucoup, madame. Merci. Merci. C'est vrai, Francis, on a fait une demande, on a fait enregistrer 90% des personnes en faveur de faire baisser le trafic à 50 au lieu de 70. Sur le Rancis? Sur le Rancis. Puis il y a une minorité qui a fait un test sur le gros, à partir du point et aller jusqu'à. Au bout d'un train, on va venir monter à 70 km, on va venir à 50 km. J'avais 1 minute 30 secondes de moins sur mon timer. Les deux de casse et turbin, je pense, hein, pas les jambes. Oui, le casse et turbin. Est-ce que vous avez en main la pétition que vous avez fait signer par les citoyens? Est-ce que vous avez. On l'a donné l'année passée. Elle a été déposée? Oui. Là, je me demande qui c'est qui se passe. Parce qu'en fin de semaine encore, les enfants sont venus. J'ai 400 pieds du bord-là du chemin, que tu vois le trafic qui s'en vient. J'ai coupé les 7 chevaux pour voir le trafic 400 pieds de l'autre bord. Ma fille est venue de sortir de la maison, il y a un char qui s'en est tellement vite. Une chance qu'elle n'a pas sorti, parce qu'elle s'est fait avec des enfants dedans. J'ai dit que les enfants sont venus. Là, je me demande, là, on pourrait faire baisser à 50. Le monde, il roule toujours 20 km de plus. Toujours. Là, il est à 70, il roule 90 et plus. Et on a bien entendu, puis on va regarder ça. C'est depuis l'année passée. Ça, c'est vrai, tu le sais. C'est pas toujours évident avec le ministère des Transports, par exemple. Oui, mais qu'est-ce que vous faites dans le Jersey? Qu'est-ce que vous faites dans le Jersey dans le Jersey? Vous pouvez dire, c'est l'ancien conseil. C'est l'ancien conseil, c'est ça. On va ressortir le document parce que ça a été présenté à l'ancien conseil, puis on va réétudier ça dessus. Parce que là, peut-être l'affaire, qu'est-ce que mes enfants, quand ils viennent de la maison, puis mes petits-enfants, ça ne me tente pas qu'il y ait un assiette malade qui s'en vienne au bout du sang, là. C'est tout des. Dans ton coin, là, c'est pas un trouble, tu ne peux pas faire plus que 70 avec des croches que tu as. Mais dans le chemin chez Claude, quand tu pars chez Claude, ils s'en viennent, ils montent à 120, 130, Claude me l'a dit. Il s'est quasiment fait tuer encore pour la semaine, il verrait. Il est venu sortir de la cour, il y a un gars qui s'en venait tellement vite, un petit trouche, là. Un bécile qui s'en venait, il montait, je ne sais pas comment, quelqu'un passait à côté, c'était comme une flèche. Oui, je le sais. Parce que tu mets, si on met des barquettes à 50, ça va peut-être. Puis, installer des polices une fois par an. C'est ce que j'allais dire, on peut intervenir, puis demander à l'institut de faire une intervention. Dans un moment précis, puis peut-être donner des billets, ça va peut-être réduire les récalcitrants qui vont trouver. Parce que l'été passé, il y a eu trois chars de police qui sont installés, une au chaud de téléphone, pas loin de chez Claude. Elle s'est installée là. Il y en avait deux au bord du chemin, c'est à 125. Parce que si c'était des blessés qui ne sont pas capables de les rattraper, il n'est pas mis à 125. Je suis curieux si vous informez à provincial, là, comment ils en ont pogné cette journée-là? Bien, monsieur, je vous dis, je m'engage à écrire personnellement par courriel au lieutenant au bureau de la SQ à Robin, puis je vais demander une intervention.
Mais là, il est temps que la chose change, là, parce que quelqu'un va se faire plus. Que... Moi, j'ai un des jours qui se fait plus, là. Il y a une valeur, mais ou une chose, c'est le colis. C'est une valeur, mais tenez, là. C'est bien entendu. Là, 25 ans, là, on avait du trafic. Un char, là, aux 15 minutes. Là, c'est un char aux 2 minutes ou 3 minutes, puis ça monte. Plus de c'est ça. Quand il fait beau, c'est des 20 semaines de coup. Je vous dis, je vais écrire personnellement à la SQ pour qu'il y ait une intervention. Rapidement. J'espère qu'il y a un jour où ça va faire. Oui. Et là, moi, je vais falloir mettre un stop en avant de la main droite. Quoi? Oui. Je ne sais pas, je m'en le demande. Oui, mon frère, comment c'est la même voix? Moi, je veux des réponses concernant ce qu'on appelle la sécurité Beaulac maintenant sur la route 335 à Beaulac. Okay. Qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est devenu, c'est comme si on avait un nouveau crêpe qui s'installe là. C'est à 10 pieds de nos propriétés. Hier, la fête des Pères, c'est beau, on a entendu ça toute la journée. Okay. Et si des heures, en plus des heures, c'est pas comme si c'était des heures 9 à 5, quelque chose. Samedi, dimanche, 7 heures le matin, tu peux prendre ton café dehors, c'est tout ce que tu entends. Okay? C'est devenu vraiment une usine incroyable. Il y a trois affaires différentes, là, dans Montréal, et Syrie, puis ça fait un bruit toujours. Okay? C'est une place de villégiature. On est à Beaulac. Okay? Tout ce qu'on entend, c'est ça. Ça ne fait pas d'allure. T'sais. Et soit disant que c'est commercial, là, quelqu'un qui voudrait ouvrir un dépanneur là, dans le coin, là, ça a déjà été demandé, il n'y a pas le droit. Okay? Mais une usine, ça, ah, c'est correct. T'sais. Là, on ne parle pas d'un petit commerce. Là. Madame, la Syrie existait plusieurs années. Oui, on ne s'est jamais plaint avant. Hein? Il y avait déjà un permis pour la Syrie. Donc, si je comprends bien, c'est le samedi ou le dimanche qui cause un gros problème. Bien, tout le temps. Il n'y a pas d'heure. Ça commence à 7 heures le matin. Okay? Mais moi, j'ai des voisins, là, ils ont samedi de congé, c'est ça qu'ils entendent. Okay? Ils ont une journée, puis c'est ça qu'ils entendent, tu sais, de congé. Puis le soir, comment ça le soir, après 6-7 heures le soir? Hey, on est l'été, là. Okay? Et le matin, à 7 heures le matin, ça ne fait pas de sens. Puis je comprends qu'il y avait une série là avant. Nous, ça fait longtemps qu'on est là aussi, et on ne s'est jamais plaint. Okay? Là, on se plaint parce que c'est intolérable, parce que c'est tout le temps. C'est quoi? On change les zonages, là? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ça fait 2 mois qu'on demande de l'aide. On demande de savoir qu'est-ce qui se passe, puis on ne sait pas. On n'a pas de réponse. Mais madame, je pense qu'on s'est parlé au téléphone, il n'y a pas de oui, mais je vous avais dit qu'on rencontrait les dirigeants oui, en effet. Avec le directeur d'urbanisme. En effet. On a communiqué à 2 reprises ensemble. Oui, avant votre rencontre. Oui, et puis on a eu la rencontre avec les dirigeants. M. Thibault était présent. Oui. Et puis, il y a sûrement des discussions à avoir avec les dirigeants. Ce que j'avais demandé, c'est qu'il n'y ait pas de travaux qui se fassent le dimanche, au moins le dimanche, et avec des heures raisonnables. Avec des heures raisonnables, ça a déjà été discuté avec les propriétaires. Bien, ils s'en foutent parce que hier, en fin de semaine, ils ont scié et ils ont fait des arrêts de vendredi, peut-être que celui qui opère la scierie n'a pas été tout à fait avisé à temps. Mais je vous dis qu'il y a quelque chose qui est fait là-dessus. Monsieur Jean-Guy est dans le district. Il s'occupe du dossier avec moi là-dessus. Oui, je lui en ai déjà parlé. Mais on n'arrive pas à comprendre. Allez-y. Est-ce que vous êtes en train de changer le zonage? Moi, c'est une question. Parce qu'il y a commercial et industriel. Hein? Est-ce que Beaulac, endroit de villégiature, devient un endroit où c'est industriel? Bien, parce que c'est ça, c'est une industrie. On parlait de droit acquis tantôt. Ouais. La Syrie, donc. Oui, Syrie, oui, mais là, il y a 3 business là-dedans. Mais c'est pas juste de la Syrie, là. Oui, mais Montréal, ils font quoi, madame? Ils font du bois. Ils font du bois, fait que ça fait partie du... Bien, moi, je me demande que c'est bon, parce que ça date qu'il y a un gage juste pour ça. Oui, il y a 12 personnes qui ont été embauchées, dont plusieurs de chaussée. Montréal, ils construisent... En fait, ils organisent, ils prennent des billots. Oui, c'est ça. Ils les coupent à des sections précises. Oui. Puis après ça, c'est livré comme en bloc. Et ça. OK, mais avant que ça soit livré, là, OK, ils teignent, puis ils peinturent, puis ils sortent. OK? Au niveau environnemental, là, où est-ce que ça va, là, cette teinture-là, puis toutes ces affaires-là, là? Ça
Ça va être à vérifier, madame. Je vous dis, le dossier d'urbanisme est là. Tu sais, vraiment, là. Puis on se dit, écoutez, on s'entend très... Puis en plus, quand on lit les affaires, on comprend rien, OK? Tu sais, c'est comme son âge, de quelle place, de quelle place. Là, on a lu, je veux juste vous dire, là, parce que j'ai vu, je crois que c'est ça, OK? Qui dit... Excusez-moi, ça va pas long. OK. Ventilation à l'usage, de l'usage industriel, OK? Si je comprends bien, là, vos lettres, nous autres, là, on serait 51 000, OK? Qui dit « Seuls sont des groupes d'établissements industriels dont toutes les opérations exercées à l'intérieur d'un bâtiment fermé, pour lesquelles aucune marchandise, matériau ou matériel n'est resté à l'extérieur des bâtiments. Hein? » C'est pas ça qui se passe, c'est sûr. OK? « Représentant aucun danger, explosion, incendie, blablabla, OK? » ni aucune incommodité de quelque nature perceptible aux limites du terrain où il se trouve. Excusez-moi, c'est pas ça qui se passe. Peu importe, sans se limiter au suivant. C'est que là, ils disent, OK, entreprise, ils disent différentes choses. Mais là, tout d'un coup, on tombe au point 52, OK? Puis là, ça dit industrie à nuisance limitée. Je pense qu'on parle en bas de la même chose. Sont ce groupe des établissements industriels répondant aux conditions d'établissement du groupe industrie légère et para-industrielle, sauf 51, c'est une autre, ça, OK? Sauf 51, pour ce qui est du bruit, OK? Toute l'intensité peut être égale à l'intensité moyenne du bruit normal de la rue de circulation. Elle est bonne. Hein? Bien, Mme Bourg, comme je vous dis, le dossier est déjà sur le bureau de notre directeur d'urbanisme. Jean-Guy, tu voulais prendre la parole, tu peux-tu ajouter? Mais, c'est qu'ils ont un droit d'être locaux. Mais ils n'ont pas de droit acquis sur le bruit. Okay? Mais on va les régler, les citoyens. Okay. C'est sûr qu'on va les régler. On va rencontrer tous les voisins autour, on va faire un meeting avec eux. Ils sont ouverts à travailler ça. Okay. Ils sont prêts à vous payer une filature de tickets autour de la bâtisse, s'il faut. Ils sont prêts à faire des choses, ils sont prêts à couper des fins de semaine. Il y a un paquet de choses à faire. C'est sûr qu'ils vont pouvoir en laisser sur votre part un peu, puis les autres vont en laisser, mais le copain va être capable de s'en tourner. Tu sais, quand je dis, elle est là depuis qu'on est là, cette série-là. Ah, bien, c'est pas vrai, il y a les deux propriétaires avant, c'est le ministère de l'Environnement qui s'en est occupé, puis il a fermé en place. OK? Mais avant ça, il n'y avait jamais eu de problème, tu sais, puis là, finalement, il a vendu quand le ministère de l'Environnement est venu, puis ça faisait aucun sens, là. OK, puis ils ont constaté au niveau du bruit, c'était. On ne pouvait même pas s'entendre parler. C'est sûr qu'on va régler ça. Mais là, tu sais, c'est ça, les terrains se touchent. Je regarde un autre voisin, nous, c'est en arrière. Là. On arrière de côté, je trouve, c'est comme s'il ouvre sa porte, là, puis la business est là. L'industrie est là, à dire. J'ai rencontré du monde qui sont carrément, il y a un peu de différence. Oui, c'est ça. Le salon, il est dans l'industrie. C'est ça. Je ne suis pas d'accord avec vous. Bon, c'est sûr qu'on est en train de regarder ça. On va commencer par faire une rencontre citoyenne avec les propriétaires. Oui. Que vous essayez de donner vos commentaires. Qu'est-ce qu'il y en a. On va voir qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire, qu'est-ce que vous êtes prêts à accepter. Puis on va interagir. Et puis là, on voit aussi qu'il y a comme. C'est un peu bizarre, j'imagine qu'il y a des voisins sur l'autre bord, là. Mais tout le stock, toutes les grosses industries, là, ils ont mis, elles sont indiquées, nous autres. On va vraiment avoir un coup là-dessus, puis c'est sympathique, hein, puis moi, je sais qu'il y a des vannes qui rentrent en plus, c'est pas juste okay, la crise, il y a des vannes, il y a des livres, puis oui, c'est des pépines, ça finit plus. Peut-être un peu trop pesant, qui sont Alors, j'espère que ça va se régler, parce madame que c'est ça. Madame parlait aussi de peinture, de solutions légales, c'est ça? Oui. Montréal, là, ils ne font pas juste couper du bois et laisser ça de même, là. C'est tout traité, ce bois-là, là. Mm-hmm. OK. Fait, comme alors, je vous dis, le directeur d'urbanisme est très au courant du dossier, Mme Bourg. Et M. Thibault également, et moi-même. Fait que c'est ça, on espère, parce que c'est ça, Beaulac, c'est un endroit de législature. Ça fait pas de sens. Oui. Non, mais c'est vrai, là, s'ils font ça à grande échelle, la teinture, là, c'est pas petit, là, cette place-là. Je ne sais pas si vous avez vu, là. OK, je vous dis, ça ressemble à crête, à peu près. Hein? Donc, en tout cas, on est pas mal de la préparation. Je vous remets. C'est bon. Merci. Pour lui dire que ça ne sera pas la semaine prochaine qu'avant-hier.
Bon, Francis Morin. Excusez-moi. Bon, moi, je veux vous parler de votre patte patrouille. Votre petite patte patrouille que vous voulez faire. Là, ça, là, je vous le dis tout de suite, il va y avoir un gros fuck-up avec ça. Parce que, moi, je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, je connais déjà des voisins qui ne s'aiment pas. Là. Fait que c'est sûr, ça va se garocher, ça. Là. Lui, il a fait ça, lui, il a fait ça. Ça, ça va être le bordel, ça, je vous le dis. Mais ça va être documenté, M. Morin, puis ça va être du sérieux. Ça ne sera pas des candidatons, ça va être documenté. OK, OK. Parce que ça va être documenté avec des rapports. Là. Parce que je vous le dis, des voisins qui saillent, là, moi, je me promène, tu sais, j'ai beaucoup de monde. Des voisins qui saillent, j'en vois pas mal. Fait qu'on se demande pourquoi il y a des gars dans le monde. Hein? Ben oui. Fait que je sais qu'avec une patte patrouille, là, ça va être caché. Inquiétez-vous pas, ça va être du sérieux, puis ça va être documenté. OK, parfait. Merci beaucoup. Je suis content d'entendre que peut-être au mois de novembre-décembre, il va peut-être avoir une chance d'aller au CLSC sans rendez-vous. Oui. Pour les gens qui vieillissent, là, ça aide ça. C'était nécessaire, c'est même nécessaire, monsieur. OK. À l'Assemblée du secteur 5, j'avais posé la question, puis vous avez mentionné qu'on avait jusqu'à l'automne pour mettre des branches près de la rue pour ramassage. Là, sur ce pas de chaussée, c'est pas ça qu'on dit. Mais je me rappelle tout avant ça à l'automne. En fait, on avait dit, vous avez raison, on avait dit ça. Bon, on n'avait pas encore statué avant la rencontre de lundi, on avait mis une date finale. Oui. On disait, dans le fond, laissez-le, on avait dit ça pendant l'été, mais on a statué une date. Ah, vous avez bien dit toute l'été, jusqu'à l'automne. Puis j'ai retenu ça, puis quand j'ai vu ça sur Spot Chaussée, ben là, j'ai avisé quelques gens, vérifiez, je pense que c'est pas vrai. Mais là, j'ai vu, c'est vous qui avez écrit sur Spot Chaussée, que c'était le 26. Il faut prendre conscience que c'est un gros travail qui est demandé à nos gars de travaux publics. Et pendant qu'ils font ça, ils ne font pas les autres travaux. Fait qu'à un moment donné, il fallait peut-être regarder l'ensemble de la situation pour être équitable avec toute la population. Puis on n'a pas le choix, il fallait mettre un arrêt à quelque part. Oui, bon, OK. Je ne suis pas forcément désaccord. Par contre, avec tout ce qu'il y a sur le bord des rues partout, là, vous n'avez pas le temps de ramasser le 26 juin. Vous continuez un petit peu. Non, mais jusqu'au 26 pour les mettre au bord. Ouais. Après, ça va être ramassé. Mm. C'est ça la nuance là, dans le message. En fait, à partir du 26 juillet, là, quand on passe. Juin. 26 juin. Juin. Là, attendez, là, je viens d'enregistrer une date. Je vais envoyer ça sur Spot Chaussée demain. À partir du 26 juin, à partir du moment où les travaux publics ou un mandat qu'on aura donné à un entrepreneur extérieur va avoir passé sur le rang pour ramasser les branches. Si vous n'en remettez après, ils vont rester là. Ah oui, c'est sûr que la collecte va se faire après le 26. C'est sûr que la collecte va se faire après le 26. Mais les gens doivent jusqu'au 26. C'est sûr que si on passe le 26, 27, 28 chez vous, puis vous les avez mis le 27, là, on ne les aura pas de la vie. Non. Mais un coup qu'ils vont avoir passé, ils repassent pas. Il nous reste quand même quelques jours. On est quand même. Et en plus, vous savez, vous pouvez lire quand même les portées. Hein? Oui, ici en arrière. Et voilà. À l'éco-centre. À l'éco-centre. À l'éco-centre, vous avez dit en arrière du garage municipal. Ben, un bout de temps, oui, mais là, vous pouvez aller à l'éco-centre, c'est gratuit. Oui. OK. Bon, au point 56. La vitesse maximale, ça, je suis entièrement d'accord. Là. Oui. 50 km, je trouve que c'est quand même raisonnable. Mais vous avez dit entre le chemin Michel et le chemin Miron. Mais après ça, on aurait dit que vous en avez rajouté un autre bout après. Non, ça, c'est on modifie le règlement qui est déjà 70 pour toute la longueur de la partie du village. Mais ça va-tu devenir 50 km à partir du village aller? Non. C'est juste le tronçon chemin Michel et Miron. Parce que je me rappelle. Parce que c'est sinueux. Il y a quelques années, quand on a mis de 90 à 70,
Ils ont dit, on ne peut pas faire ça comme ça, là, parce que c'est un chemin provincial. Je voulais qu'ils fassent une demande. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a 90 jours qu'on doit laisser, on va envoyer la demande au ouais. Calais? Mais moi, je suis chanceux parce que je passe par le chemin Michel et la rue Rochon. Mais vous ne pouvez pas aller bien vite non plus. Oui, OK. Je vais me dépêcher parce que M. Gauthier a l'air à se préparer. Là. Le tracteur à gazon, j'ai cru entendre qu'il va être à l'équipe. Non. C'était juste un. Ouais. Mais le tracteur, si vous achetez un beau tracteur à gazon, là, nous, on a mis une annonce sur Spot de Grande Vallée, là, parce que le monsieur qui faisait le gazon, c'est grand, c'est très grand. Il a vendu sa maison et il est déménagé. Donc, on a besoin de quelqu'un pour faire le gazon. Moi, j'ai un camion avec une remorque, je peux venir le chercher. Le tracteur, là, ça ne sera pas long, ça va prendre une heure ou deux, puis ça va tout être fait. C'est une proposition. J'avais un autre. Quand vous avez parlé des comités de barrage, là, vous avez nommé le lac Jasper et le lac Sol. Puis le lac Orignal. Mais le lac Orignal, ça va-tu débloquer? Si on parle du barrage comme tel, le conseil avait demandé à l'époque, qui entendait des citoyens, c'était d'attendre le résultat au lac Bonne à savoir si un barrage en embauchement était possible ou pas, parce qu'eux préféraient ça eux aussi. Mais comme on n'avait pas la certitude du ministère que le barrage en embauchement était une possibilité pour le lac que nous on a, étant donné qu'il y a quand même une bonne superficie, une bonne teneur. Oui, c'est ça. Donc, on attend ça fait un an qu'on a envoyé les documents au ministère, mais on ne s'entend pas la même chose. Là, il y a eu la grève des gens. Pour les gens là, qui sont pognés en arrière, en plus avec toutes les branches qui ont tombé, c'était pas évident. Là. Donc, ben, bonne fin de soirée. Merci. Merci, bonjour, moi c'est Alexandre Riopelle. Pour prendre l'expression de mon ami Francis, moi je viens vous parler de la patrouille. Je voudrais savoir, quand vous parlez de nuisance, c'est quoi qui est considéré comme une nuisance? C'est un gars qui gagne sa vie, qui fait ça, qui travaille pour gagner sa vie, ça devient-tu une nuisance? Tu sais, il n'y a pas personne, exemple, je vous donne un exemple, qui travaille dans le bois, qui bûche, qui fait ça, oui, c'est ça, qui fait ça pour le plaisir de faire du bruit, tu sais. On s'entend des heures raisonnables, là, mais ça peut arriver des fins de semaine qu'on entend des sifflets de montagne. Là. Tu sais, ça fait partie des nuisances. Ça a toujours été comme ça à Chelsea, puis là, tout d'un coup, on va changer ça. Tu sais, il y a des gens qui sont installés ici, il faudrait maintenant qu'ils réalisent qu'ils sont installés dans une région forestière à un certain point. Mais là, c'est ça, c'est quoi ça, les nuisances, c'est quoi? Moi, j'aimerais peut-être répondre. Je ne fais pas partie du comité de la patrouille, dans le fond. Mais je crois sincèrement que les gens qui siègent à ce comité-là vont penser aussi qu'il y a des nuisances. Mais ça ne peut pas être quelqu'un qui fait un parti à 2h d'après-midi, là, qui n'a pas ses petits-enfants. Ça ne peut pas être quelqu'un non plus qui fait son chemin dans le bois un samedi, pas à 6h le matin, pas à 6h le soir, mais entre de ça. Oui, oui. Je pense qu'à quelque part, il y a quelqu'un qui va falloir qu'il va tirer une ligne qui est normale. Qui pour... Parce qu'on est des humains, puis l'ingérence là, sur nos terrains, où moi je paye une carte, je m'en ai fait. Ce qu'on vise comme patrouille, c'est juste vers 4-5 heures du soir. Oui. Et jusqu'à peut-être 2 heures du matin. Okay. On ne peut pas gérer le. Bon, je n'ai pas l'intention de mettre de lumière sur ma mécanique. Hey, c'est pas la voie juste électrique. Il m'a posé ça. Admettons que je vais m'adonner des vidéos du trafic, ça aiderait-tu? Non. Avec l'heure? En fait, je peux vous dire que... Parce qu'il y a des caméras tout autour de la maison. Vous verrez mes caméras, je suis au bord du chemin. Puis,
ça peut aider de faire descendre le trafic, là, vous allez voir. Vous allez voir la différence entre un char qui passe à 70 et un au tout ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'au Conseil des maires, la semaine passée, on a eu la visite du ministère des Transports. Et les maires et mairesses avaient beaucoup de questions. Il y avait 4 personnes du ministère des Transports au début de la rencontre. Et les maires et mairesses ont apporté certaines recommandations. Puis, aussi simple que ça, je vais faire un aparté assez court. Il y a eu un accident mortel en mars dernier, en face du Patrick Morin. Et notre directeur incendie et sécurité publique avait écrit au ministère pour justement faire baisser la vitesse entre deux tronçons sur la 125 jusqu'à un certain niveau. Et ce qu'on s'est fait dire, c'est que oui, c'est faisable. Il faut demander une résolution au conseil. On parle d'une route provinciale, par exemple. Puis, par la suite, il faut que ce soit les ingénieurs du ministère des Transports qui viennent sur place et qui vont décider, qui vont évaluer si c'est correct de la baisser la vitesse. Voyez-vous, ça va jusque-là. C'est une route provinciale. Pour ceux qui ont fait ça, c'est dans le coin de l'Estérel, aller jusqu'au coin de Jersey, c'est 50 km. C'est une décision du conseil. Cette route-là a été donnée. Ouais, c'est avant qu'elle route. C'est mais. Ouais, ça va, s'il vous plaît. Ça va être à nous de changer. C'est le coin de Jersey, là. OK, moi, j'ai acheté à monsieur la maison à monsieur Rassette. J'ai parlé avec monsieur Rassette. Le chemin de Jersey, là, il n'était pas dans le bout qui était là. Il posait en bas, puis il s'en allait en haut. Il a donné ses terrains pour faire le chemin pour s'en aller comme il est là. Mm-hmm. Mais non. Tu connais l'histoire du chemin, puis tu connais. Monsieur Yoban, là, quand il est pas Yoban, quand il est mort, OK? Il avait 92 ans, puis il m'a compté toute sa vie là, pendant qu'il vivait là. Les chemins, dans le temps, là, c'était pas des terres à bois, là, c'était des terres cultivables qu'il y avait là. Mais comme vous voyez, on a aujourd'hui, on en a réglé une situation sur le chemin des Dieux. Parce que là, vous allez en avoir des morts. On vous a entendu, puis je vous le dis, je vais écrire personnellement à la SQ, puis on va regarder aussi la possibilité éventuellement on va travailler sur le dossier. Parce que, madame, j'ai été chercher une police provinciale, ça 125, OK, un samedi matin. Je l'ai emmené dans mon entrée, OK. Les personnes, ils passaient, j'étais avec la police, j'étais sur le bord du char. Les personnes, ils passaient à 90 km. Mm-hmm. Il n'y en a pas de ticket. Mais là, il disait ça ne vaut pas la peine. Mais si on l'emmène à 5 ans, le gars va rouler sur 70, il ne prendra pas un ticket de plus, là. Mais il ne roulera pas 5, 90 et 5 plus. Mm-hmm. C'est ça, c'est ça, non? Mm-hmm. On a bien entendu votre demande, monsieur. Non, mais c'est oui. La logique. Tu vois sur l'autoroute, c'est 125. C'est 90, tu vas rouler 110, tu ne prends pas de ticket. On l'a bien entendu, M. Lévesque, je vous dis qu'on va prendre le dossier. On va donner le prochain coup. On va savoir, on va avoir des nouvelles, ça serait intéressant. Non, s'il vous plaît? Non. On va être passé. Je vais prendre un café. Bonsoir, Claude Couture. J'aimerais savoir si on a encore des pannes de courant qui peuvent arriver. Est-ce qu'on va avoir du téléphone? Autant les cellulaires que les téléphones maison terrestre. Je sais que ça m'a, moi, comme mairesse, ça m'a inquiété beaucoup pour la population quand on a manqué également de téléphone et de réseau dans l'après-midi du dimanche pour le lundi matin. Et je vous assure que la préfète l'a intervenu également parce qu'elle avait eu des gros dégâts à ses patrons également, puis avec le même problème. Alors, on s'est dit qu'on était pour écrire et demander les raisons pour lesquelles la tour n'a pas rendu le travail qu'elle était supposée faire. Normalement, il devrait avoir un plan B, un plan C, et on va s'assurer et on va vraiment mettre l'accent là-dessus. Puis personnellement, moi, je n'avais pas de téléphone non plus. J'ai juste un cellulaire, puis il n'y avait pas de téléphone depuis hier après-midi jusqu'à ce midi, moi, dans mon cas.
Alors, ça va être travaillé, nous autres. Vous n'avez pas de deadline, ça c'est sûr. Mais c'est pour ça qu'on a mis les patrouilles incendies qui ont sillonné tous les districts avec les gyrophares allumés dans la nuit. Et la SQ a fait la même chose parce qu'on voulait sécuriser nos citoyens. J'en ai pas vu sa rue du Puy. Bien, peut-être que vous ne les avez pas vus, mais on y a passé partout. Bon. Donc, c'était pas trop sécuritaire. Je sais que. Est-ce que Belle est impliquée là-dedans? Bien, moi, j'ai le service avec Belle. Fait que, je vous dis qu'on va s'occuper de ça, M. Couture. Je vais revenir là-dessus dans une couple de mois. Merci. Merci. Bonjour, Jérémy Cole. Déjà, en premier point, je voulais remercier tout le personnel de la municipalité d'avoir été très réactif la soirée de la tempête. Ça a été très, très vite. Là. Moi, je suis arrivé quelques heures après, déjà dégagé les routes. Mm-hmm. Super travail. Merci. J'avais des questions sur les points concernant les résidences de touristes. De ce que je comprends, c'est que là, le projet de règlement, il est en attente d'adoption au niveau municipal, parce qu'il a été approuvé par la MRC, c'est ça? Mm-hmm. Okay. Non. Ben, en fait, il est adopté par les deux instances. Oui. Juste que pour pouvoir. Ce qui reste à faire, c'est la mise en vigueur. Okay. Pour avoir la mise en vigueur, la MRC a demandé à ce qu'on fasse un avis public. Donc là, on doit afficher l'avis public. Donc c'est pour ça qu'on a dû déposer un second projet de façon à ce qu'on puisse aller déposer l'avis public. Comme quoi, qu'il va y avoir. La mise en vigueur du règlement. Et si tout va bien, 8 jours après, on va envoyer nos avis publics à la MRC et là, ils vont nous donner notre certificat d'autorisation qui va mettre en vigueur les règlements. OK. L'avis public, c'était prévu dans le processus ou c'est une exigence qui s'est rajoutée par la MRC? Elle s'est rajoutée. Mm-hmm. Okay. Quand est-ce que la MRC a donné cette demande ou qu'elle a... Après le 18 mai, c'est le Conseil des maires. Oui, ça fait à peu près 2 semaines. OK, donc c'est le dernier mois. Mm-hmm. Et là, ça veut dire qu'au mois prochain, au prochain Conseil, vous serez en mesure de faire la mise en vigueur du règlement? Non. Oui. Ça va être automatique. En principe, c'est 8 jours à partir de là. OK, donc on n'a pas besoin d'attendre plus que 8 jours. Non, non. Les règlements sont déjà adoptés. Sont déjà adoptés. Okay. Pas l'autre en 20 jours. Non, non. Donc, on va dire dans 8 à 10 jours environ. Mettons, on donne 2 semaines. Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Là, la mise en vigueur commence, les nouveaux règlements, les nouveaux permis peuvent être livrés avec la nouvelle réglementation. Oui. Et est-ce qu'on pourrait avoir la liste des points du règlement actuel qui s'appliquent à ceux qui ont déjà un permis? Parce qu'on parlait des parties-fils, par exemple, on n'aura plus le droit, parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui est interdit, après, ça sera interdit. On dit le spa, c'est déjà nécessaire d'avoir un permis. Toutes les règles que vous pouvez mettre en vigueur, exemple, ils disent que vous devez mettre un panonceau avec les règlements. 0.5. Ah là, affiche le règlement. Oui. Ouais, okay. Tout ce qui est non structurable. Affichez les règlements dans votre chalet. Dans votre chalet. Par exemple, le 2 adultes par chambre de plus de 12 ans. Ça c'est un droit acquis, pas acquis, parce qu'en ce moment, il faut changer de mobilier pour certaines personnes qui ont plus de capacité ou moins de capacité que ça. Pour ce qui est le nombre de personnes à l'intérieur du... C'est 2 adultes de par chambre. Ça, c'est ça va être en vigueur. Ce qu'on ne peut pas changer, c'est les cadres de stationnement. OK. Donc, mettons, moi, si j'avais une chambre de capacité 4 adultes, dans 10 jours, je ne peux plus prendre de réservation de plus que 4 adultes dans cette chambre-là. Bien, en fait, moi, j'allais vous suggérer d'appeler directement à l'urbaniste pour avoir des éclaircissements précis sur vos questions, puis ils vont se faire un plaisir de vous répondre. Pour ça, avoir la liste là, des points, ouais, l'urbaniste, il va me dire tel point, ouais. Sachant que ça ne s'applique pas aux anciens, tel point ça s'applique. Oui. Okay. Vous avez avoir le internet, parce qu'à l'époque, on avait fait le travail lié à ça, il y avait eu des documents pertinents qui avaient été mis sur le site internet.
Mais il y avait deux, trois avec points qui étaient précisés, mais les autres, ce n'était pas vraiment précisé. Mais l'idéal, c'est de poser votre question par courriel. Au directeur de l'urbanisme, ils vont assurément vous répondre. Vous allez avoir quelque chose d'écrit aussi, c'est que vous allez avoir une trace. Oui. Puis on parlait d'afficher les règlements dans le chalet. Oui. On avait demandé à la municipalité de nous faire une version simplifiée pour être sûr que les locataires le lisent. Avec des gros pictogrammes rouges, c'est interdit. Parce que si j'imprime les 400 pages des règlements municipaux, c'est villégiature, hein, c'est pas lecture. Mais rappelez-le dans votre courrier, monsieur. Vous pouvez juste me rappeler votre nom. Jérémy Paul. Parce que ce qu'on veut, c'est que ça soit efficace. Là, si on fait des règlements, personne ne les lit, personne ne les applique. Mm-hmm. Est-ce qu'on pourra avoir ça avant la mise en vigueur ou est-ce qu'on a un délai pour se conformer, ceux qui ont déjà un permis, parce que moi, c'est réservé, je ne peux pas aller afficher les règlements. Mais, posez toutes vos questions. Par écrit, ça va être mieux que... Vous allez avoir des réponses plus précises de ce qu'on... D'accord? Dernière question par rapport avec ça, c'est plus personnel. Chemin du lac Paré, il y a plein de petits piquets oranges qui ont apparu le long de la route. Mm-hmm. Est-ce qu'on parle de fibre optique enterrée ou de... Non, c'est la réflexion de la route. On est tous dans de l'asphalte. OK, merci. On aurait bien souhaité, mais c'était pas le bon. Pas une vidéo comme ça. On va faire le stade. Monsieur Gauthier. Bonjour. Merci de m'attendre. J'ai quelques petites questions qui, juste pour l'éclaircissement. Votre contrat concernant le service de la pétition 9-1-1, la raison, c'est qu'il n'était pas bon, trop cher. Ben, en fait, on croit qu'on va être mieux servi avec Copac. Au moins, il y a du monde qui peut le savoir. OK, vous avez des achats de lances pour les pompiers. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Non, vous savez, c'est quoi? Vous savez, c'est quoi? Non, c'est bon. Puis, M. Ouellet m'a mentionné que, concernant mes fusées, que ces arbres sont tombés et puis coupés là, à cause de l'orage. On n'a pas moins de permis là, pour couper nos arbres qui ont tombé? Mais il y a dans le danger, il est tombé. Mais s'il n'y a pas de danger. Mais il était-tu tombé pendant l'orage? Oui, j'en ai au-dessus de 200. Fait que c'est juste... Et là-bas. Alors, vous l'avez pas mal, M. Gauthier, j'ai regardé ça. Ah oui, je les ai vus, moi aussi. Concernant le 50 sur le règlement de l'enquête, si vous dites la vitesse permise sur la rue de l'Église, c'est marqué « et sur l'avenue du Castor ». Parce que le règlement 2014, on doit amender. Il y avait un règlement 2014 qui légiférait sur la ville. Et sur la ville, à l'époque, ça avait été mis à 30. Je suis en 60. 30, c'est jusqu'à 2014. C'est ça, c'est ça qu'il y avait modifié en 2014. Donc là, maintenant, on amende le règlement pour modifier la vitesse sur un tronçon de la rue des villes. Mais comme on amende ce règlement-là, on ne peut pas faire fi qu'à l'époque, on parlait dans ce règlement-là de la rue des villes. Donc, je vais te donner. OK. On va regarder. On va rester à 60. Possible. C'est pas sûr, ça. Il y a quelque chose d'autre. OK, le reste. OK. Une petite joke, peut-être, là, mais quand vous avez acheté une benne, la benne là, que vous achetez, c'est de quel côté qu'elle va ouvrir là-bas? Demandez ça au spécialiste des travaux. Non, mais ça fait ces deux côtés aussi, peut-être, en tout cas. Bon, là, vous ne pouvez pas parler non plus pourquoi vous avez retiré le numéro 44. En hommage à l'histoire de ce coin-là, le colon couché, il avait fait beaucoup de choses. Mais vous savez que la commission de toponymie qui accepte le nom des lits de toutes les municipalités du Québec, ben, elle a des consignes très précises à suivre dans la nomination.
quand on veut faire hommage à quelqu'un de l'histoire, on doit nommer son prénom. Son prénom et son nom également. Et son nom de famille. Donc, comme on a su ça aujourd'hui, puis qu'on veut faire des recherches sérieuses en vue de nommer vraiment le prénom de son nom de famille. Mais c'est pas, pour prendre la rue, là. C'est pas pour qu'elle aille pas municipale. Non. Une nouvelle rue. Dans le domaine de l'habitude, ça va. Fait qu'au moins, je sais ce que c'est pas ça. Donc, ça, ce sens-là. Mmh. Mmh. J'essaie de me relire, là. Mais je pense que c'est il y a des gens qui ont... qui ont déjà abordé le sujet. Pas de problème. On vous remercie. Merci, puis bonne soirée. Merci. Oh, oui, peut-être juste avant, là. Vous avez fait quelque chose de bien concernant, à partir du 21 au 31, concernant Chelsea, nous dépanner et nous accompagner aussi. Fait que, alors, merci. J'imagine que tout le monde, il n'y a pas juste une personne que j'ai vue, là, mais... C'est un gros travail d'équipe, monsieur. Définitivement. Définitivement, on ne veut pas que ça recommence, quoi. Non, on ne veut pas, mais vraiment... On a eu peur cette semaine, hein? On a eu peur cette semaine. Mais finalement, merci aussi aux citoyens qui ont vraiment donné un gros coup de main, qui se sont entraînés. Puis ça, je trouve que c'est... Il faut le partager, il faut le dire. C'est là qu'on a vu qu'on avait une communauté côté serrée. Ça, bien, c'est tout à l'honneur des citoyens. Et puis, en merci. Plus, il n'y a pas de blessés. Pas de blessés graves, pas de perte de vie. On a été très chanceux, puis... on est peut-être bénis de Dieu, mais on le remercie. Parce qu'il y a juste les oiseaux qui ont moins de place pour stationner. Merci. Est-ce que vous avez eu des nouvelles de la commission de Matawini? Est-ce que vous allez avoir une rencontre? Oui, la rencontre est cédulée. Vous allez avoir la joie de recevoir le directeur de Connexion Matawini le 19 septembre. Il va venir à la séance de conseil pour expliquer où on en est rendu et faire le topo de la situation. Je vais lui poser la question. Si on a une panne de courant, est-ce qu'on perd encore tout? Mais parce que là... Vous pourriez poser la question à ce moment-là. Oui, oui. Merci. C'est ça, s'il y a un bruit. On ne peut pas le contrôler s'il y a un bruit majeur avant une tempête. Hein? Justement, une question sur l'Internet. Oui. Sur la carte. Du gouvernement provincial là, pour les promesses électorales, on va dire, là, de voir l'Internet partout en région. Je t'ose. Date limite 22 septembre. Moi, c'est ça. Est-ce que c'est utopique, peut-être? Je peux pas répondre au gouvernement. Moi, je vois pour le Grand Valais, tout ça, c'est marqué Bell. Mm-hmm. Bell va livrer la publicité. Ouais. Est-ce que c'est faisable ou non? En fait, oui, on s'est rendu compte que, évidemment, moi, ce qui me fâche, que je veux le dire, c'est mon opinion personnelle, j'ai le droit de la dire. Bell aurait eu la possibilité peut-être de dérouler la fibre et de nous brancher, mais malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Mais là, ils ont reçu des sous du gouvernement, ils ont reçu des subventions. Alors, ils se sont empressés de dérouler. Et il ne faut pas oublier que Connexion Matawini, ça va appartenir à la MRC, donc les 15 municipalités vont bénéficier de redevances. Plus il va y avoir d'abonnés qui vont prendre Connexion Matawini, moins ça va coûter cher à la communauté. Donc, c'est une coopérative, fait que déduisez vous-même ce que je vais vous dire. Est-ce que la Connexion Matawini a eu les mêmes subventions que Bell? Pas tout à fait, non. Il y en a eu quand même un peu? Oui, on avait, c'était un projet de 60 millions qui ont réinvesti, mais les problématiques de Connexion Matawini, c'est qu'il y a eu beaucoup de pénurie de main-d'œuvre pendant la pandémie, puis on ne se le cachera pas. Il y a eu aussi le problème que... Il y a beaucoup d'élagage à faire parce qu'on est dans une région très dense au niveau de la végétation. Donc, il y a eu quelques retards qui ont été... puis aussi, il y avait à un moment donné du retard pendant la pandémie. Des petits trucs électroniques qui étaient prêts quelque part dans un port. Alors voilà. Mais vous allez avoir tous les détails le 19 septembre. La MRC va répondre à vos questions. Oui. Pour tout le monde. Donc, s'ils ne respectent pas le délai, ils perdent la subvention. Il y avait supposément c'est associé à des pénalités. OK. Je ne sais pas si Matawini a fait ça. Mais nous, à Trois-Sur, on était déjà identifiés dans le dossier du gouvernement avec nos belles
qu'il y en a qui ont Matawini. OK. Puis moi, j'ai juste Belle pour mon adresse hein, qui est apparue dans le logiciel. Ah, c'est ça. Et oui. Je sais que certaines personnes qui savent déjà qu'ils ne se rendront pas, ils ont des subventions pour l'Internet satellite. Je pense qu'ils ont Starlink à 100$ par mois avec le boîtier gratuit. Ça, c'est ceux qui sont pas accessibles. Ceux qui sont prévus de ne pas se rendre à la date. Ouais. Exact. Mais non, pas seulement pas se rendre à la date, mais ils sont éloignés. Ils sont éloignés. Ils n'ont pas de filage. Ce n'est pas payant. Parce que moi, je paye déjà là, 160 par mois pour le satellite. Parce que ouais. Belle, il se rend, mais. Mais c'est pas la même. Ben, c'est ça. Ça prend deux jours avant qu'il se rende mon email. Alors, merci. Merci, bonne soirée. Merci de votre présence. Bonne soirée à tous. Ce point-là, on l'a levé. Qui propose de la lever la santé? Je propose. Oh, Jonathan propose. Qui, second? Merci. Que tout le monde est d'accord? Oui. Merci, bonne soirée à tous. Rendez-vous bien.